Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un training sous forme de méthode EMOM. Donc vous aurez trois blocs aujourd'hui de 10 minutes. Ces trois blocs de 10 minutes seront composés de renforcement musculaire, de cardio et de ceinture abdominale. Donc là, je vais lancer le chrono sur 10 minutes. Il faut sur chaque minute qu'on puisse faire rentrer 10 répétitions en squat, 5 répétitions en burpees, et le reste du temps en gainage. Donc je vais vous le démontrer de toute façon, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Je vous lance le chrono sur 10 minutes. Allez, 10 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, j'entraîne avec les burpees. 1. Voilà, c'est un exemple, on reprendra ça pendant 10 minutes, d'accord? On reprendra, on enchaînera à chaque fois pendant 10 minutes. Donc voilà, 10 minutes de passé, fin du premier bloc. On laisse 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Vous récupérez, vous pouvez marcher, boire un coup, comme vous voulez. On évite de s'asseoir, d'accord? La récupération, ça se fait toujours en marchant, la récupération active, d'accord? On récupère beaucoup mieux. Donc là, maintenant, on va passer au deuxième bloc. Mais avant de passer au deuxième bloc, j'aimerais revoir les mouvements. Donc, sur les squats, vous allez avoir les bras bien tendus, alignés avec les épaules. Le bassin engagé vers l'arrière, donc bassin rétroversé vers l'arrière. Je veux qu'on soit en appui sur les talons, d'accord? Je veux que les talons touchent vraiment le sol. On ne doit pas basculer sur la pointe de pied, vraiment sur les talons. On engage bien le bassin vers l'arrière et on descend. Donc, les fesses alignées avec les genoux. Et je remonte. Essayez de remonter, semi-fléchi. Ok? Donc, semi-fléchi pour garder la tension dans les jambes. Ensuite, on va voir les burpees. Donc pour les burpees, vous avez deux variantes bien sûr, hein, suivant le niveau. Soit on descend complètement à plat ventre, comme je l'ai démontré. Donc je descends à plat ventre, je laisse un bon écart au niveau des jambes, je pousse sur mes bras et sur mes jambes, et je pars sur l'extension. La deuxième variante, donc si c'est trop compliqué, je dépose mes mains, je recule une jambe après l'autre. Je ramène, hop, et l'extension. Et enfin pour le gainage, je veux que les jambes, les fesses et le buste soient bien alignés. La ceinture abdominale toujours contractée et on regarde devant soi. Donc on descend, hop. Les bras bien parallèles, on regarde devant soi. Les fesses et le buste bien alignés. Et on garde la ceinture abdominale toujours contractée. Et on respire. Et on tire. Voilà. Donc ça, c'est pour éviter la blessure. On va passer maintenant au deuxième bloc. Donc petit rappel pour le deuxième bloc, on sera sur les push-ups, c'est-à-dire les pompes. Ensuite, sur les mountain climbers et le reste du temps en sit-up, abdos. On y va? Allez, c'est parti. On lance le
Come on, girl, let me tell you something in your ear. Pockets on full, got a lot of cash. Let mama say she wanna kick it, karate class. You can tell I'm a boss, I ain't got a brain. Hit the mall like a dog, I be popping tags. TY dollar sign, hurricane Chris. Shoot stick, get your chick, and I can't miss. Tell the waitress I need more barters and pass me some water so I can roll harder. Standing on a couch in a VIP, taking off the clothes, yeah, we got free. Got a yellow bone, bitch, looking hella fine. He ain't talking about money, nigga, never mind. $250,000 whip sitting outside. And when I get her in that bed, I be going live. Yeah. Drop a bag, my bitch. I only fuck with nines and tens. Yes, only bad bitches in my section. There's some niggas from the section. Yes, only bad bitches in my section. There's some niggas from the section. Hey, she pulled up in a new Benz, looking like a dime piece with her two friends. And her two friends look too sexy. So deep in the club, need two sections. Tell her drop it to the floor and act a damn fool. Can you make it wet, wet like a swimming pool? Gotta have a nice body and a cute face. Pull up in that Maserati looking too straight. Everybody in my clique get big money. And when I leave, I'ma leave with your woman. Have you ever seen a nigga spend like 50 grand in a club one night? Blowing money like a fan, I'm drunk. And I ain't gon' lie, ain't gon' feel like I'm about to faint, but I ain't gon' stop. 10 shots up a drone, got a nigga straight waist. Yeah, take it to the head, I ain't even gotta chase it. I'm a bitch, drop a bag, my bitch. I only fuck with nines and tens. Yeah, it's only bad bitches in my section. There's some niggas from the section. Et on reprend le rap, on enchaînera comme ça pendant les 10 minutes. Donc, fin du deuxième bloc, donc fin des 10 minutes. On va reprendre les mouvements, donc on va revoir les postures ensemble. Ok ? Donc pour les pompes, deux variantes. La manière la plus facile, donc sur les genoux, j'engage bien mon bassin vers l'arrière, je mets tout le poids vers l'avant. J'ouvre bien mon écart de bras, un peu plus large que la largeur des épaules. J'ouvre mes coudes, aligné avec mes épaules, et je descends bien bas. Et je remonte en extension de bras complète. Ou alors, on monte sur les pointes de pied. Je descends bien bas et je remonte. Vérifiez d'avoir bien les coudes vers l'extérieur, c'est-à-dire bien alignés, d'accord, les coudes bien alignés avec les épaules. Ensuite, pour les mountain climbers, donc on restera bras bien tendus en extension complète et on ramènera un genou après l'autre, tout en gardant la ceinture abdominale bien contractée, bien verrouillée, ok. Et ensuite, pour les sit-ups, donc on peut laisser soit les talons au sol comme ceci, soit regroupez les deux pieds entre eux. Ouvrez les genoux vers l'extérieur. Verrouillez la ceinture abdominale. Abaissez le buste. Et remontez complètement en allant toucher les pointes de pied. Voilà. Donc voilà pour ce deuxième bloc. On va passer maintenant sur le troisième bloc. Donc maintenant on va passer sur le troisième et dernier bloc. Je reviens sur le deuxième bloc. Je ne sais plus si je l'ai stipulé juste avant. Excusez-moi. Pour le deuxième bloc, sur les push-ups, donc les pompes, c'est 10 répétitions. D'accord. Sur les mountain climbers, c'est 10 répétitions. Attention, droite, gauche font une seule répétition sur les mountain climbers. Donc genou droit, genou gauche font une seule répétition. On en a 10. Et ensuite, le reste du temps en sit-up. Donc, pour le troisième bloc, on passera donc sur les dips, ok, je vais démontrer le mouvement, sur les jumping jacks, et ensuite sur le gainage alterné. Et top, c'est parti. Les abdos bien verrouillés, ensuite les talons. It's money on my mind, ho, mansion, no condos, no time for combos, I need that pronto, be real, don't lie low, show me them tongue tricks, only you and I know, fuck around and get your rent paid, I'm straight forward, no gas breaks, yeah, I'll be fresh like it's court day, it's gonna be a good day when dollar signs say, I know you ain't about your girlfriend with you, don't leave her alone, if you ain't feeling right now, le buste bien stable, je ne veux pas voir ça, d'accord, bien stable, le fessier pareil, on reste bien verrouillé, allez respirez.
Et top. On repart sur les 10. 15 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shawty and me on a late night. Got a man, got me thinking shawty ain't right. She say she ain't about to creep life. But all she wanna do is take pipe. I ain't mad at nobody. I just wanna have your body. Now I can give you the key, girl. If you give me in the lobby, talk about it. Oh, I'll lay you down and go down, girl, till I reach your ocean. Oh, so come and get this dirt. We need that. Attention les abdos. À vous bien dans mes muscles. Voilà, donc fin des 10 minutes, fin du troisième bloc. Je vais reprendre quand même les postures. Donc pour les dips, veillez à être bien en appui sur les talons. Les genoux légèrement fléchis, on rentre les coudes à l'intérieur et on descend. Et on remonte. Sur la descente, pas plus de 90 degrés. D'accord ? Sinon, vous allez commencer à tirer sur le deltoïde. Ça va vous mettre des tensions sur les épaules. Donc, à éviter. Ensuite, sur les jumping jacks, on serre bien la ceinture abdominale. On allonge bien les bras vers le haut. Et on referme le long du corps. Ok ? Et pour terminer, le gainage alterné. Je garde mes deux bras bien parallèles, donc sur les avant-bras, les fesses et le buste toujours bien alignés. On regarde devant, on contracte les abdos et on pousse sur les bras pour remonter en extension complète. Voilà, pas de dos creusé. Les fesses bien alignées avec le buste et les abdos verrouillés pour bien stabiliser le corps. Voilà, donc fin du troisième bloc, fin de la séance. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite un bon entraînement. Et puis à bientôt. Donc la prochaine vidéo, je pense que je ferai sur la ceinture abdominale. Spécial abdos. Allez, à très bientôt.